J'aimerais bien me faire des pâtes, alors faut que j'anticipe la chauffe de la flotte presque 1 heure avant. Tac, 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 voilà. Oui, bah j'ai déjà sauvegardé du coup. Bastos, tu dis, je tente de reposer ma question. Tu es dispo cet après-midi du coup? Ah, excuse-moi, je t'ai pas vu. Ah oui, mince, oui, c'est vrai, tu me l'as posé à 10h54. Alors, je suis partiellement dispo, Bastos. Il va falloir que je fasse des appels téléphoniques, mais familiaux, donc ça ne devrait pas durer trop longtemps. Avec un peu de chance, je vous rejoins peu avant 15h. Je pense, c'est mon estimation. Parce que le temps que je déjeune, il sera sûrement 14h quand voilà, Héro va prendre son antenne. Le temps que j'appelle la famille, il va peut-être se passer une demi-heure. À mon avis, je me manifeste à vous pour 15h. Sauvegarde est partie. Bon, bah voilà, oui, je sauvegarde ça. Allez hop. Donc, ah bah oui, mais j'ai pas pris mon nouveau flingue, que je suis bête. Je l'ai acheté, mais je m'en suis pas équipé. J'allais repartir à l'aventure un peu trop vite, moi. Oui, je veux des choses. Alors, mon super snipe de la mort qui tue. Tiens, je vais renouveler le matériel. Ah, ah, ah. Ah, ce serait lui? Non. Attends. Mais non. Oui, celui-là, il est. Giga flingue. Giga flingue. Oui, reprendre des explosifs. Oui, vous commencez à 14h30, mais je serai pas tout de suite là. C'est ça le problème. Ah, c'est beau de voir le lance-flamme recharger. Je vais refaire mon pyromane. Attends, c'est ça mon nouveau flingue? Vous êtes sûr? Bon, je m'attendais pas à un truc révolutionnaire parce que le dernier truc, je reconnais que c'est un. Je reconnais que c'est un truc à visée électronique. Si c'est un truc de fou, le dernier fusil de snipe. Mais attends, mais j'ai pas pris le bon flingue. Ça, c'est l'ancien. C'est le snipe basique. Pourquoi je peux pas prendre le snipe du dessus? C'est moi ou il prend pas le bon? Attendez, là, je suis perturbé. I am perturbed. Je suis même pas fichu de reconnaître les fusils entre eux. Celui-là, on voit le chien en premier plan. Il est en bois, mais attendez. Pff. Oh le bordel! Mais oui, non, c'est pas les mêmes. Celui-là, c'est un meilleur. On voit que la crosse, c'est pas pareil. Oh le bordel! Et la lunette est pas du même type, si? Bizarre. Bon. Bof. Ouais. Je suis pas convaincu, mais bon, tant pis, faut qu'on avance. Alors, point de sauvegarde, visiblement que j'aurais déverrouillé. Oh, il y a une antenne radio, il y a une mission assassinat qui m'est proposée. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Oh merde. On dit ça, on dit ça. Ah merde. Ils sont bien relayés pour la mitrailleuse. Ridicule.
Vous n'avez rien vu. Oh, le chapitre chapeau, chapeau. Ouais. Le premier qui dit chapu. Le chapitre chapeau. Chapu, chapu, chapu. C'est un scandale. Je dois avouer que j'en ai certains. Je commence vraiment à les imbiber de sueur. Donc, je sais pas si je vais les garder à très long terme. Parce que le pire, c'est que je le sais, mais je me lance bêtement. Eh oh, vous avez fini de personnaliser la bagnole là ? On va se calmer, lui. Il va rôtir, lui. Quelle horreur ! Mais violence ! Mince. Ah bah je peux retourner à l'armurerie là, il m'a bouffé quasiment tout mon essence de lance-flamme. Ah si ce compte est bon. Oh, ils m'ont bouffé toute ma réserve. On recommence. Tu te la pètes indirectement là, cette fan. Aïe aïe aïe, c'est malin. Bon, alors, je vais y arriver. Je vais y arriver. Hop là. Oui. Donc, il y a un poste de contrôle qui doit être pas trop loin. Ah. Oh, c'est beau. On a le droit à une petite baignade là. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Waouh. Oasis, 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 oasis. Ah bah. Elle m'attendait. Ouais, 3 diamants, cool. Ça fait plaisir. Pop, 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 pop. Ouais. Oui, 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 je vous rejoindrai dans l'après-midi assez tôt, je l'espère, pour le Worms Armageddon, tout en jetant un œil à ce que feront Aerostar et FunFan. Ça va être multi-plaisir cet après-midi, c'est bien pour un 1er mai. C'est sympa. Ah, ça y est, il s'agite. Ils m'ont vu arriver. Allez, je suis fou, je regarde. Danse, McFly, danse. T'as des effets chaleur et vachement bien fait. Je pense que je leur ai fait leur fête. J'ai bien, je pense. Stratégie, non. Tactique, oui. C'est pas la même chose. Attends, je suis fou parce qu'il y a peut-être un mec dans le coin. Il
Mais vous êtes fou? Oh oui. Alors, c'est où pour revendiquer le point de contrôle? J'ai gagné, j'ai gagné. Stylé. Pourquoi il me résiste ce point de contrôle? Faut que je pointe où pour valider ma conquête? Faut que j'aille dans le bus? Non. Ah, pas mal. Attends, ils ont pas une boîte à munitions? Bizarre. Alors là, je comprends pas. Attendez, je vais débrancher ma lampe parce qu'il fait suffisamment beau. J'ai pas besoin de faire cramer ma lampe à diode sur ma batterie portable. Et puis ça me repose un peu les yeux. Hein. C'est bête, mais l'éclairage de côté qui me... Oui, pour vous donner mon point de vue, définition entre stratégie et tactique. Stratégie, c'est sur le long terme. C'est-à-dire que c'est une succession de manœuvres pour gagner, conquérir un territoire ou revendiquer quelque chose. Alors qu'une tactique, c'est en un jet, c'est en un coup. C'est essayer de faire un strike en visant bien. Pour faire simple, on va dire que je considère qu'une tactique se joue en une étape, alors qu'une stratégie se joue en plusieurs étapes. Eh ben, vous savez quoi? La prochaine fois que je peux interroger Westbot, je lui poserai la question. Quelle différence fais-tu, quelle distinction fais-tu entre une stratégie et une tactique? Parce que, vu qu'il m'impressionne dans ses réponses, ce serait intéressant de voir ce qu'il va nous sortir comme argumentation. Les worms, des fois, je réfléchis à 2-3 tours en avance pour ce que je vais faire. Oui, c'est très malin, il faut. Quand t'es un joueur avancé, t'es obligé de penser comme ça. Mais c'est très bien, ça veut dire que t'es vraiment à l'aise avec le jeu. C'est très très bien, tout à ton honneur. Mais pourquoi je peux pas revendiquer ce point de contrôle? Ça me bouffe! Tiens, je renverse le panier à linge. Ah! C'est ça qu'il faut que je fasse? Oh! Oh le bordel! C'est le bordel. Ça me bouffe. Ça me bouffe. Je vais où pour revendiquer? Ah! J'ai gagné. Oh là là, ça y est. Oh oh. Tiens, j'ai renversé le... Oh, ben mince. Ouais, les bonbonnes de gaz, c'est rigolo. La bonbonne de gaz qui finit à l'eau. Pollution. Pollution. L'ouvre dans l'eau ou... Ouais, bon, bof. Ah oui. Il y a un départ de feu. Bon, bref, faut que j'arrête mes âneries. Mais comment je fais pour le revendiquer? Je devrais pouvoir, ça me... Ouch. Oula, j'ai fait du football, là. Oula, j'ai pas compris où a giclé le tonneau. L'aurais-je satellisé? Ah, même là, il y a une bonbonne. Je peux faire le fou avec, si je veux. Mais sérieusement, oh, c'est encore un point qui fonctionne pas. Ah, comme ça. Il faut que je pense pharmacie.
C'est bon, j'ai config Westbot.com. Ouais, c'est bien, hein, Dragon Sky. Cool. Crois-moi que c'est une bonne chose de faite. Parce que quand tu auras du monde, tu pourras leur dire, mais faites le petit logo Minecraft dans mon chat et vous aurez toutes les infos pour me rejoindre. Et là, c'est trop la classe. Oh, je joue avec le feu. Oh merde. Oh oui. Joli. Oh. Merde, ça m'a cramé. Minecraft, le jeu le plus vendu au monde. Plus de 200 millions de jours, exemplaires. Et le jeu favori du sage. Rejoignez-vous aussi le serveur de jeu sur lsdn.craft.vg émoticône souriant. Lorsque le jeu est diffusé, n'hésitez pas à vous rendre dans la boutique pour provoquer des événements en direct. Il n'est pas nécessaire que vous possédiez Minecraft afin de pimenter notre aventure. Oh, les cascades, qu'est-ce que c'est beau! C'est beau! Oula, j'ai l'embarras du choix dans les véhicules, moi. Bah, je prends mon véhicule d'origine. Bah. Alors, on continue notre périple. Vous pouvez disposer et aller couler un bronze dans votre couvre-chef. Mais bien sûr. C'est n'importe nawak. La carte, elle dit quoi? Je sais plus, je suis perdu. Ah oui, il y a une antenne. Oh, barrage routier. Je fais mon vilain. Ah oui, l'antenne, elle est là-bas. Oui! Merde, il y a du monde. Ah, il y a du monde qui arrive. Ah, ça va, ils arrivent à passer. Ah, ils m'ont vu peut-être. Merde. Non? Ah non, ils m'ont pas vu. Oh, je sens que je vais faire une farce. Attends, je vais sauver mon véhicule quand même, parce que je m'en voudrais de perdre ma tuture. Merde! C'est pas ça que je voulais faire. Ah bah. Attention! Allez, venez, 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 venez surtout, venez. Il y en a d'autres, je crois. Je dis bien, je crois. Bon. La 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 la. Je fais mon bandit de la route. Parce que c'est rigolo. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots d'Ondaine. En passant par la Lorraine. Oh, avec mes sabots. Passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots d'Ondaine. En passant par la Lorraine. Oh, avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots d'Ondaine. En passant par la Lorraine. Oh, avec mes sabots. Ils avaient quoi? En passant des gobelets, par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots d'Ondaine. En passant par la Lorraine. Oh, avec mes sabots. Ah bah ma cible, elle est loin. Ah les bandes de Nalo. Il faut que je revienne en arrière pour honorer le contrat. Oh oh oh, bande de Nalo. Aïe, oui, ah non, mais oh!
Mais je fais une collision et je bousille ma Jeep, moi. Ah! C'était quoi? J'ai eu un bruit de carlingue qui m'a fait peur. Bonjour, petit Seb Live, merci pour ton relais de chaîne. C'est adorable. J'espère que tu vas bien. Bah, ça va fort bien, merci. Là, on s'amuse comme des petits fous entre les sons, Wisebot, moi qui m'amuse à faire sauter les véhicules. Bonjour et bienvenue à la communauté de @petitseb-live. Oui, j'allais dire, vu l'heure, je suis surpris que tu me fasses un relais de chaîne à 7h. T'anticipes ta pause miam, je présume. Tu vas aller faire ta popote, je sais pas sur quoi t'étais. Ah, ah, j'ai une planque à déverrouiller. J'ai une planque toute proche à déverrouiller. Si je pointe vers là-bas... Je vais me déverrouiller la planque. C'est un relais de chaîne. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. Bienvenue. Ça me fait bizarre la perle dans le chapeau. Ça doit être un RPG japonais, non? Je connais pas du tout. Tales of Zestiria. Je me suis levé à 6h30 du mat et j'ai commencé à stream à 8h. Alors je vais faire une pause. Oui, non, mais t'as bien raison. Mais merci d'avoir pensé à moi pour le relais de chaîne. Excellent jeu. Ah, tu connais Bastos? Ah, t'as une sacrée culture vidéoludique, Bastos. Bien. Tu connais plein de jeux que je connais pas. Attends, elle est où la planque? Ah, elle est là. J'ai la cache-bas là-bas. Ah, je vois un mec. Je vois deux mecs. Là, le mec prétentieux, je vois deux morts. Ouais, t'as repéré un truc. Merde. Ah. Ah, magnifique. J'ai gagné. J'ai gagné. Ah oui, j'ai un petit bobo. Bon bah attends, je vais prendre le... Hop là. J'ai gagné. Ouais, du fuel pour mon lance-flamme. Youpi. Oh, on va repartir en buggy peut-être, ça changera un peu. Oh, les postures des morts. Oi, oi, oi. Violence. J'ai pas fait beaucoup. Moi, de le ballon, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est un moteur 4 roues. D'une manière générale, j'adore le sport automobile. La vache, on entend que mon enregistrement de micro, j'avais le micro qui grésillait. C'est peut-être pète. J'ai dû faire l'enregistrement là, quand j'avais pas mon bon micro qui m'avait été conseillé par Zex de Citron, que je salue d'ailleurs. Faudra que je lui écrive, je sais pas ce qu'il devient. Il avait dit qu'il reprendrait les directs, mais j'ai l'impression que ça tourne mal de son côté. Ouais, je vais faire un petit coucou dans la semaine. Faut absolument que j'y pense. Et bref, ça devait être mon premier micro. Parce qu'on entend un grésillement de... En arrière-plan qui est pas normal. Enfin bref, c'est audible. C'est audible. C'est audible. Alors, petit buggy. Ah ah, ça va changer. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait péter? Et qu'on fait péter. Eh, je peux passer par là, je crois. Ou pas. Oh, le moteur demande qu'à se lâcher. On prend le vroom, vroom, vroom. Ça pétarade. Vroom, vroom, vroom. Ah. Alors attends. Merde, non, c'est pas la bonne direction. Faut que j'aille vers là-bas. C'est pas facile de se diriger. Pas mal, pas mal, pas mal. Je me suis trouvé une voie improvisée. Il y a quelque chose.
Il y a quelque chose dans la jungle. C'est vraiment pas évident. Et le buggy est bien pour aller à travers champs dans la jungle. Et je suis perdu au milieu de nulle part là. Waouh! Impressionnant. Wouh! J'ai les pots d'échappement qui fument. J'ai les pots d'échappement qui. Quoi? C'est quoi cet endroit? Lumber. Attendez. Ah, c'est la Syrie! Oh la mouise! Ah ouais! Oh, attendez. Il doit y avoir du diamant là-dedans. Je vais pas forcément les agresser, mais je vais juste vérifier. Il doit y avoir du diamant dans la zone. Non? Il n'y a pas de diamant dans la Syrie? Hé, hey, écoute, t'as entendu ça? Je m'en occupe, j'ai besoin d'entraînement. Non, il n'y a pas de... Non, mais ça m'intéresse pas, donc boum. Hein, t'as vu? C'est débile, mais comme ça m'intéresse pas... Pas maintenant. Il y aurait eu du diamant. La patte du gain aurait fait que j'aurais mené l'assaut. Mais là, c'était rigolo comme scène délirante. Oui, alors pardon, je te lisais le pire, petit Seb et Basto, je vous lisais tous les deux. Alors, j'ai pas fait beaucoup de tests, mais celui-là m'a beaucoup plu, dit Bastos. Ah! Ah! Je dois en avoir un ou deux de Tales of machin. Sur PS3, je crois. À vérifier. Ok. Tales of Zestria. Ah, falloir que je me le note dans les... Bah, vous savez quoi? Bougez pas. 30 secondes, pardon. Je rebondis sur mon live, je vais me faire ça. Je vais me le noter. Bougez pas, parce que j'ai ma commande des jeux à faire. Donc ça ira dans la liste. Jeux à faire, et hop, voilà. Merci pour l'info culturelle, c'est pas perdu. Ah, toi tu aimes bien le Symphonia. Je crois que celui-là par contre j'ai dû le voir. Un petit peu, petit Seb. Mais merci pour l'info. J'ai tous les Tales sur Steam, je commence par stream celui-ci, mais je compte bien tous les faire. Oh, intéressant. Et je les découvre en même temps. N'hésite pas à mettre à jour, petit Seb Live, si je peux me permettre de te donner le conseil. Mettre à jour ta description de diffuseur. Et dire que tu vas faire toute la saga des Tales of quelque chose. Ça peut attirer un public de passionnés, et tu pourrais te forger une communauté en or. Merde, pardon, si c'est pas déjà fait. Je fais que passer ma route. Évidemment, je me fais allumer. Passer entre les... Il y a quoi en rime en août qui fait référence à la guerre? Il y a rien, c'est scandaleux. Aïe! Oh, je savais même pas que j'avais une commande samedi commentée, tu vois. Oh merde! Je suis pas arrêté là où il fallait. Non, oh merde, c'est pour moi. Je m'attendais pas à tomber sur un poste de contrôle. C'est moi qui suis nunuche. Comme souvent quand tu veux faire des sons chez le sage de Nancy. Quoi? Bizarre le son de l'oreille, je le retrouve pas sur Wisebot. Oui, attends, je fais exprès, Felfan, de planquer certaines commandes. Tu peux les cacher, tu peux les dissimuler tes commandes. Et j'en cache quelques-unes. Parce que vous pouvez les trouver par accident ou par déduction. Donc c'est beaucoup plus drôle. Ah! Ils m'ont pas tiré dessus là! Bizarre! Alors attends, je vais m'arrêter là parce que comme je sais que je vais avoir un comité d'accueil,
Ah, c'était peut-être après. Merde, qu'est-ce que je... Oh, je fais n'importe quoi. Je mérite ça, voilà. Oh. Comment que ça rebondit? Ça rebondit sur mes pieds, dis donc. Vous avez vu? Moing. Après, c'est j'ai... Oh, hé. Ah, bah, elle est pas mal, celle-là. Chouchou. Burp, 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 burp. C'est horrible. J'ai fait nimp, évidemment. Alors, petit Seb, tu dis je vais chercher de quoi me faire à manger. Oui, merci, bon miam. Bonne popote et bonne app. Ouais. Oh, moi je vais me faire des pâtes. Je pense que je vais commencer à faire chauffer l'eau vers 13h. Ah merde! Mais non, mais j'ai encastré mon buggy! Non! J'ai encastré le buggy dans l'arbre! Non! C'est scandaleux! Ah! J'ai réussi à débloquer le buggy. Ouf! Attends, là je vais être obligé de faire mon Rambo. Vas-y. Ou un lance-flamme peut-être. Ouais. Mais je vois même pas les mecs. C'est fou quand même. Ah, il y a une patrouille là-bas au loin. Ok. Tout va bien. Le gars, il m'a même pas soupçonné. Bah oui, mais je veux bien, mais... Ah! Quelqu'un d'autre m'a repéré. Il est où, le mec? J'arrive pas à voir. Ah! La végétation se retourne contre moi. Allez, coupez-moi du bois, je vois pas. Déforestation. Est-ce que je vois un peu mieux? Merde. Oh, je me fais allumer là. Ah, il est là. Waouh, joli. Je me suis fait avoir comme un bleu. En même temps, en étant fixe, forcément. Je suis une cible beaucoup plus facile à abattre. Oui, oui, bah bon, bref, au niveau de l'info de la commande samedi commentée. Mince, oui, moi je suis arrivé. Oh, vous êtes chiant, vous avez cassé mon buggy. Vous êtes des vilains. Oh, joli! Je suis mauvais! Que je suis mauvais! Bon. Mon approche subtile de tout à l'heure était bien. Là, ils m'ont pas entendu. Faut surtout pas que j'accélère, en fait, quand je reprends ma sauvegarde. Le gars arrive pour faire sa patrouille. Là. Ah, il m'a vu, merde. Oh, les papillons ont giclé. In the ghetto, in the ghetto. Mince, je suis tombé. Ah, merde, il y en a un qui arrive à m'allumer, mais c'est pas. Ah, les flammes font bobo. Je suis en train de retirer. Alors, je pense que l'assaut va être long. Ah, oh, ma cible est mouvante. Ma cible est mouvante. Merde.
C'est pas forcément un cadeau, mais le challenge n'en est que plus beau. Hop, la carlingue de la vieille chez Pocket Bagnole. Ah, je peux récupérer la... Oh, j'étais en train de faire des réparations. Vous êtes des vilains. Aïe. Ah, bien joué. Ouais. Aïe, 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 aïe. Hmm. Comment ça? Hump. Oui, je suis bien. Ouais, monte sur la bagnole. Ah, je t'ai vu. Merde, j'ai loupé. Bah, il est où cet idiot? Ah bah, il est là. Ah. Je rappelle que je joue en difficulté maximale. Donc en gros, une balle à mort. C'est, j'aime bien quand ça fait réaliste. C'est pour ça que je fais autant d'essais. De... Mais Enfin, le jeu extra, quoi. Oh! Bah alors? Là, je pourrais pas la réparer. Merde! J'ai tiré au-dessus de sa tête. Oh, le con. Ah, ces dialogues. Du coup, la carlingue va m'aider. Eh, hey, c'est un chef-d'œuvre. Plantée comme ça, elle est magnifique. Aïe. Oh, ouin. Alors, en général, quand on est en amont et qu'on est snipe, c'est le scénario idéal. Mais là, le relief est tel, bombé avec de la végétation. C'est à mon désavantage. C'est quand même malheureux. Attends, si je les provoque... Merde. Ah. Ah. Merde, je l'ai loupé. Ah, je vais avoir chaud, merde. Oula, oulalalala. La température monte un peu trop là. Ouh, au secours, je cuis. Ah. Ah, ouf. Le stress énorme. C'est quoi ça? Voilà, il y a des flammes qui dansent sous la carcasse. Ça continue de flamber. Bon, bah, pardon, mais j'avance. Mmh. Ah, il y a des... Pas mal. Sympa, ça. Non. Ah si, il y a du monde. Si, faut pas déconner, il y a du monde. Ah, il y a encore un loustique. Il était là? Bah, il est où, le mec? Ah! Non. Il est où? Ah, bravo. Ah, mais c'est pas vrai, je suis mauvais pour ce camp. C'est bizarre que ce camp me tienne autant en respect. On va dire ça comme ça. Midoum. Midoum, crotoum, chutoum, boudidoum. Oh. Ça parle mal. Mmh.
Ah bah je le vois là. Lui il est mort. Bon, ça c'est bien ce qu'il fallait faire. Après lance-flamme. Ah, il est là. Oh là, ça cuit, au secours. Oh là là, ça cuit beaucoup trop. Ah! Les flammes vont me dévorer. Ah non, la mallette, je l'avais déjà vidée, ouais. Bah, j'étais déjà passé par là en plus. Attends, on est d'accord, c'est un... Ah, je peux peut-être pas revendiquer le point explosif. Peut-être pas. Aïe. Ah. Bon. Mon petit buggy, là, parmi les flammes, je peux le retrouver ou... J'étais très attaché à mon buggy. Je le vois plus. Où est-il? Le buggy de l'avant-tout. C'est pas tout, mais j'ai une cible à battre pour avoir un max de diamants. J'ai un contrat à honorer. Alors. Aïe. Alors là où c'est par là-bas. Il va y avoir du monde, je pense. Non ? Ah oui, il y a du monde. Je crois que je suis poursuivi. Merde, mon moteur commence à fumer. Attendez. Laisse-moi, laisse-moi. Wouah, ils sont deux contre moi, et oh ! Oh la vache ! J'ai attiré toutes les patrouilles! Ah non, mais j'étais mort! C'est même pas la peine. Comme quoi, forcer, c'est rarement bon. Hein. Forcer les points de contrôle. Alors attendez, ça se dessine comment en fait? Bah, c'est un point que j'avais revendiqué. Là, y a rien, mais. Ouais, c'est plus loin qu'il y a le grabuge. Bon, ben, il y a un mec en moins. Deux mecs en moins. Il doit y avoir du monde là-bas, mais là c'est peut-être un peu loin. Eh, je soupçonne un tonneau d'explosifs. Je la tente. Ouais, j'ai fait une sauvegarde rapide. Je crois que c'était un tonneau. Non, ça n'a pas explosé. Bizarre. Bizarre, bizarre. Coucou, coucou, coucou. Ah, il y a l'aérodrome. Non, mais si je trace tout droit, ils vont me courser, non? Je peux toujours essayer, hein. J'ai liquidé deux mecs. Mais ça suffit pas. Hein. Je vais me faire allumer normalement. Voilà, je me fais allumer. Ah non. J'ai. Ah.
Je pense que ma technique, vous savez, de laisser tomber sur mes pieds l'explosif pour qu'il soit projeté au loin, faire du football avec, apparemment, on va dire symboliquement c'est ça, je ne peux pas le faire accroupi. Ce qui est... voilà, ce qui est logique. Ouais, c'est après passer le point d'eau que ça se gâte pour moi. Wiki, ouais. On va l'appeler Wiki Dragon Sky. Ah, si seulement j'avais un œil de lynx pour repérer les bails d'explosifs, ce serait tellement drôle. Attends, c'est moi ou c'est une antenne relais? Ah oui, c'est une antenne relais. Ah oui, c'est une antenne relais. Ah, il y a un bras de rivière qui nous sépare. Bah oui, forcément que je suis bête. Sinon, il n'y aurait pas eu le... Ah, mallette de diamant. On voit que j'ai déjà ouverte. Donc, il n'y a plus de diamant au coin. Ah, sympa. Hop là, une petite baignade. Ah, oui, c'est pas une bonne rive. Je suis un ego. Non, c'est fait exprès. On voit que c'est modélisé pour que voilà, l'assaut soit pas aussi facile. Ouais, il n'y a plus de diamants là qui clignotent. Il n'y a plus de diamants. Attends. Où sont les loustiques qui m'ont tiré dessus? Oh. Bah. Qui c'est qui m'avait tiré dessus? Quand même fou. Bizarre. Oh, j'adore la bibliothèque. Trop bien. Ah, la malaria qui fait suer. Et je pouvais pas revendiquer l'endroit. Je pense que je l'avais fait, non? Bizarre. Moi je vais reprendre mon buggy, hein, il est vachement bien. Je suis interrogatif. Ou alors j'ai eu le malheur de passer au moment où il y avait la patrouille mobile qui se pointait. Je pencherai plutôt pour cette explication. Ah oui, il y avait des mecs derrière le rocher. Bah oui, donc là je suis fait comme ça. C'est bizarre. Je suis allé. Je comprends pas. Il est planqué où le mec? Je pensais que j'avais fait le ménage. Moi ouais, je pige pas. C'est vraiment. Je passe la rivière, mais de toute façon. Le gars doit pas être loin. Hein. Ah, il est là le gars. Bien planqué de Mickey. Bien vu le cowboy. Mince. Alors, il faudrait que je repère aussi son coéquipier. Ça peut aider. Oui. Mazette. Ah là 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 là. Non, non, ils étaient pas en faction. Ils sont bien de garde.
Oh, j'ai envie de lui faire un cadeau. Un cadeau dont il se remettra pas. Non, il était juste derrière. Ah oui, ils sont là. J'ai un cadeau pour vous, les messieurs. Vous allez sauter de joie. Mais vraiment. Ben non, mais il est où l'autre? Ah oui, il est là. Ah merde, il y a une bagnole, attention. J'ai entendu un moteur. Ah, cette blague. Bientôt, je vais me remettre à Need for Speed Hot Pursuit. J'ai envie de battre des records de... Ah, bien. Ah bah voilà. Simple mais efficace. Ah mais s'il reste dans les flammes, c'est nigo. Oh le bordel. Mais non, mais... Évidemment, au corps à corps avec un fusil de snipe, j'avoue, mais bon, j'étais dans la... Bon, mince. Je suis déception. Aïe, aïe, aïe. Oh, puis c'est tellement rigolo de les voir sauter de joueur. Attends, mais j'entends le véhicule, mais je le vois pas. Ah, ah, ah. Non? Bizarre. Happy birthday to you. C'est rigolo. Allez, c'est la fête. Jouer, gars. Merde. Attends, j'ai un cadeau pour toi. Happy birthday. Ne me dis pas qu'il y en a encore en vie. Ah, il y a un mec là-bas. Il y a un mec là-bas. Wouh. Wow, 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 le feu se rapproche. Ah, j'entends des voix. Il y a encore du monde. Oh non, il y a un crash. Oh, quel dommage! C'était un si bel assaut! Oh, je suis déception! Bah alors! Vite, mon Far Cry! Je veux ma dose d'ambiance africaine! Saga Africa, ambiance de la Bruce! Saga Africa, attention, lit se couche! Eh, je dois reconnaître que ça faisait longtemps que le jeu avait pas crashé. Franchement, c'est vrai que je l'ai connu à une époque qui crashait pas mal. Puis il y a dû y avoir une bonne mise à jour définitive. Sympa. Une faute à la vapeur, ça. Non, même pas, puisque c'est un jeu que j'ai hors indépendamment. C'est une version boîte. C'est indépendant de quelques plateformes que ce soit. Attendez, que j'arrive à bien... Tac, 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 voilà. Oui, continuez. Allez, qu'on reprenne. Quoi? Non! Oh merde! Oh! Oh merde! Ah merde! Ma sauvegarde rapide, elle est corrompue. Ah merde! Oui, c'est le perso que j'incarne. Mais pas la bonne orthographe. Ah bah, ça va.
ça va, on peut reprendre. Mon Dieu, il se passe des choses. Oh, David Lully qui fait un relais de chaîne. Merci, c'est très gentil. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Mais et, ils sont en train de se battre dans la Jeep, là, quoi? Message de FunFan 1992. Bonjour et bienvenue à la communauté de Devil Olive. Devil Olive. Oui, merci, bonjour tout le monde. Vache. Ah, c'était un snipe, donc j'avais intérêt à me tenir à carreau. Merci, merci, c'est très gentil. J'espère que ton direct s'est bien passé, David Olive. Je sais pas sur quoi t'étais. Oui, tout le monde s'arrête pour la pause miam. Ah merde. Et c'est un relais de chaîne. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Merde, mais non, mais... C'est pas ça que je... C'est pas ça que je voulais faire. Je me suis trompé de touche. Panique. Panique on board. Voilà, on n'en parle plus. Ah oui, merci tout plein, David Olive. Là, on est en train de savourer la chaleur de l'Afrique. Ah, il a arrêté de faire... la posture. Oh là, il rebouge. Oh, quelle horreur. Ah, mais j'embarque le corps avec moi, mais c'est horrible. Non. Le gars est greffé. Il est greffé à la voiture. Je vais repartir avec cette bagnole. C'est trop drôle. C'est juste trop drôle. Ah ouais, c'est beau. Hein. C'était le chauffeur contorsionniste. Il est tellement talentueux qu'on va organiser sa tournée dans toute l'Afrique. Je vais l'embarquer avec moi. Yeah. Bon, alors, c'est pas tout de faire le foufou, mais j'ai toujours un contrat honoré, moi. Donc je me barre par là-bas. Ah oui, non, mais il est avec moi, on voit sa main. Ah, on reste perdu un passager. Ah oui. Comment qu'il a fini? Je veux savoir. Bah, comme un caca. Il est mort comme un caca. Aïe, 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 c'est ça. Oui. Oups. On va y renverser un animal. Au royaume des animaux. Alors, dommage que j'ai pas le détecteur de diamants qui s'affole. J'aimerais bien mettre la main sur une mallette. Alors, ma cible doit être proche. Ma cible ne doit plus être très loin. Ah, attention, l'aéroport, il y a un sniper. Ah si, elle est loin, ma cible. Alors, attends, je vais m'amuser à... Oh merde, il bouge, ce con. Eh. Je la tente. Vous voyez ce que je veux dire? Oh merde. Il y a des gens qui arrivent. Ah oui. Il y a du monde qui est arrivé. Attendez. Ouais. Oui, aller à la place du sniper et dégommer ma cible à distance. Sauf que ma cible a l'air de faire le tour. Attendez. Je lui fais un barrage routier, je pose une mine et boum, ce serait drôle.
Parce qu'elle se déplace vite, la cible. Vache. Attends. Oh, oh, ça m'intrigue, ça, là-bas. Une carcasse, il n'y a pas de diamant. Non. Non, non, il n'y a rien. Alors, la cible, elle va où? Mais par où passe la cible? Non, mais je vais me faire au snipe. Je vais aller à la tour... Ah oui, c'est la piste d'atterrissage. Je vais aller à la tour du snipe et puis bing. Je vais m'amuser à le dégommer parce que... Trop bizarre. Ah, vous allez voir qu'il... Il a une telle amplitude large qu'il va pas être à ma portée. Oh, je vais dégommer la radio parce que la radio va m'énerver. Attends, le sniper qui écoutait la radio, elle est où sa radio? Oh, il y a un joli instrument. Ouais, camouflage. Ah non, elle était en contrebas la radio, d'accord. Elle était en contrebas. Eh, hey, sympa! Break. Oh, elle est solide cette bière. Ah non. J'ai pas compris, mais c'est pas grave. Attends, ma cible est là-bas. Ah oui, c'est un convoi. D'accord. Ah, c'est un VIP, le mec dans la Jeep. A plus, bon app, fun fan. A plus tard. Ah, ce serait stylé que j'ai la Jeep à distance. Ce serait juste trop stylé. Attends, je vais monter sur le siège. Voilà, je suis un super sniper. Je peux pas être plus haut. Bon, j'ai déjà cassé le cortège. Ah oui, est-ce que j'avais repéré ça? Je crois, hein. Pas sûr. Bref. J'ai la cible qui a pris de la vitesse, là. Où est-ce qu'ils sont, les loustiques? Ah merde, ils sont déjà sur le côté! La vache! Ils se déplacent... Oh la vache! Merde, la malaria fait suer. Ah ouais, là ils ont, ils appuient sur le champignon là. Attends voir. Non, je l'ai pas eu. Et je vais finir par bousiller leur véhicule à force de tirer dessus. Je vais foutre le feu au véhicule parce qu'il aurait eu trop de balles dans le moteur. Ça va devenir drôle. L'autre a du mal à suivre. Hein. M'en fous, j'ai encore des balles. Hop, je recharge. Le temps que l'arbre, voilà, l'arbre qui va me gêner. J'attends que la patrouille repasse. Oh, je l'aurais presque eu. Non mais je vais finir par abattre le véhicule. Oh, joli. Merde. Ah, la colline. Je me suis fait avoir par le relief. Je me suis fait avoir par le relief. Ah, je crois que je l'ai eu. Non. Ah, j'ai plus de balles. Merde. Dommage, c'était drôle. C'était drôle. Oui, mais il a pas de balles, lui, ici. Non, il a pas de balles. Malheureusement, il n'a pas de balle. Attends, j'ai peut-être des munitions près au pied de la tour. À vérifier. Oh, ce saut que je veux faire tomber. Mais je n'y parviendrai pas. Ah oui, elle est là, la radio de mes deux. La radio de mes deux.
tête. A plus de radio. Sabotage de propagande. Quoi, ils ont abandonné leur véhicule? Eh, ça m'intéresse. Oh, le mec, il est là-bas. Merde. Attends, il y a deux mecs. Non? Je crois que je visualise les deux mecs. Ou alors c'est un végétal, mais ils sont tellement loin. Ah, c'est dommage. Il me faudrait de la munition. C'est rigolo, la tournure que prend la mission. Je le fais de manière assez gaguesque. Attends, il y a des munitions dans les baraques, c'est obligé. Bon, il y a des mecs aussi, mais... Bonjour, messieurs, dames. Vous ne m'avez pas vu. Voilà, c'est ça qu'il me fallait. Merci. Ça aussi. Il sait pas que je suis à l'intérieur. C'est d'un comique. Ah, il m'a vu, lui, par contre. Là. Oh, ils sont nuls. Mais ils sont nuls. Ah, j'ai entendu un bruit bizarre. Attendez, je reviens. Qu'est-ce qui se passe? Honnêtement, je sais pas si c'était dans le jeu ou si c'était la réalité. Attendez, je reviens, excusez-moi. Où est parti? Qui? Je connais. Où est qui? Je te regarde. Qui a attaqué? J'ai trouvé les poètes n'importe où. C'est le moment. Génial. Ces abrutis ne font rien correctement. Je me vois que je me fais liquider. Eh oui. Génial. Sors de là. Je sais que t'es la connard. Contre toi. Bordel, il est là. Coupe-le. C'est un vrai. Oh, joli! Comment qu'il a giclé le mec? C'est horrible, mais ça marche. Oh, il y en a un autre là-bas. Mais il y a trop de monde. Ils sont nombreux, les vilains. Ouais, j'ai une super pousse de... Ouais. Merde. Il était où, le moustique? Comme il y a tellement de trousses de soins, du coup, j'en profite. C'est l'assaut le plus dingue que j'ai jamais mené. C'est complètement délirant, ce que je fais. Oula. Ouais, c'est cool. Toujours des illuminations de prise.
Bon, bah j'ai toujours mon contrat à exécuter. La rigolade. Oh, poussez-moi ce mobilier. On n'en a pas besoin. Voilà. Toute la pharmacopée est pour moi. Bonjour Torota, comment ça va? Dans l'ensemble, on va bien, merci. Et toi? Je suis en train de faire une mission complètement délirante. Que je suis censé abattre un convoi, mais je fais un tel zouk que... Attendez, je vais retourner à la tour, à moins que ce soit les deux mecs que je voyais là-bas. Non, c'est des plantes, c'est quoi? Je sais pas, c'est bizarre. Maintenant que j'ai quelques munitions de snipe, je vais retourner à la tour. Ouais, tu vas bien? Ah, t'es debout depuis 30 minutes! Tu t'es réveillé à midi, oh vache. Bah, l'essentiel, c'est que t'ailles bien. C'est le plus important. C'est cool. Du coup, j'ai un doute, c'est de la végétation ou... Non, c'est de la végétation, du coup, il n'y a pas de mec. Mais on dirait qu'ils ont abandonné leur véhicule. On va voir. Je sais pas. Je vais essayer de poser un engin piégé pour trucider le convoi. C'est pas à côté. Là, je vais me faire un bon petit sprint. Je traverse la piste d'atterrissage. Oh, j'ai quasiment plus de... Ah, le convoi arrive. Ah oui, mais la Jeep, elle est où? Wouah, il y a un gros décalage dans le convoi. Attends, mais ils vont se pointer, je vais les exploser de manière ridicule. Oh merde. On va pas gagner. Ils étaient là. Je trouvais bizarre que les gars aient abandonné leur véhicule en plein désert. Mais ils étaient où du coup les Mickey? Ah oui, mais où est le deuxième? Je sais pas s'il m'a entendu. Ah, il est là. D'accord. Et l'autre, il m'a pas... Ah, là, j'ai gagné. D'accord. Alors, ce qui peut être très drôle, dans ce genre de situation... Comme l'engin de patrouille, en fait, est passé, je vais réparer la Jeep, mais je vais davantage la piéger. Ça va être horrible. Mais quand la patrouille va arriver, je vais essayer de les prendre en barrage. Et boum, ça va faire une énorme explosion. On va se faire plaisir. Attends. Ah, c'était lui qu'il fallait abattre. Ridicule. Oh, la cravate. Attendez, je vais aller chercher l'autre. Encore que. Oh, ce serait bien d'avoir une Jeep. C'est sympa d'avoir une Jeep tout confort, là, de VIP.
Je vais me la cacher là, histoire de piéger le... Hein ? C'est quoi que j'ai entendu ? Oula ! Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup tiré sur la Jeep. Je veux bien qu'elle commence à se désosser. Je conçois. Allez, des petits soins. Alors, que je les mette bien sur la piste. On rigole. C'est par où qu'ils passent ? C'est par là, hein, je crois qu'ils passent, non ? Enfin, j'espère. Non, je pense qu'ils passent un peu à côté. Merde, la malaria qui fait suer. Voilà. Je crois savoir qu'ils passent comme ça. Voilà. Ouais, tu m'étonnes de profiter de la grasse mat le jour férié. C'est quoi que je vois là-bas? Il y a un truc qui m'intrigue. Ah, c'est un buisson. Alors, la patrouille. Bah oui, merde. Comme j'ai abattu ma cible, j'ai plus de radar. Ouais, ils viennent quand? J'ai posé mon joujou. Qu'on rigole. Oh, il y a une bagnole qui a cramé là-bas. Tiens. Avec les reliefs, je les verrai plus. C'est beau, on voit les animaux au loin. Je sais pas si vous les voyez. Dans la lunette. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps. Après, je ferai quoi? Je referai une mission de... Ouais, j'irai à l'antenne refaire une mission d'exécution. Ce sera pas mal. Tu serais un badoche. Ouais. Déminologiste le soir. Ouais, c'est bien. Tranquille, 100% plaisir. Non, bon bah je crois que j'attends pour rien. Je suis déçu. Je m'attendais à ce que la patrouille repasse et puis que je fasse mumuse avec. Ah, oula. Oh, je suis déception. Mais vraiment. Ouais, il y a la bagnole qui crame, mais à part ça... Bon. Les autres ont dû deviner qu'ils étaient au chômage. Mais non, mais c'est pas ça que je veux faire. Je voulais récupérer mon engin explosif. Oh, gâche pas de la bonne marchandise quand même. Non, ne me dis pas que je peux pas le ramasser. Non. Ah oui, bah alors là, c'est abusé. Je suis scandalisé. Normalement, je dois pouvoir ramasser mes explosifs et là, je peux plus. C'est honteux. On va faire un gros boom pour l'occasion. Là. Voilà.
Il n'y a vraiment pas la patrouille qui se repointe? Ah non. Ils ont démissionné. Bon, bah, un petit feu d'artifice. Voilà. Pour fêter le contrat. Oh, il y a la roue qui a giclé. Il va pas me dire qu'il y a une patrouille qui va se pointer quand même. Non, bon. Allez, on va aller à l'antenne et on va... Oh là, elle fait un vacarme d'enfer, la Jeep. En fait, je l'ai trop mitraillé. L'antenne. Elle est pas toute proche, l'antenne. Il y a la piste d'aéroport. J'aimerais vérifier si j'ai bien récupéré tous les diamants, moi. Je vais tracer sur la piste d'atterrissage. On va vérifier le radar à diamants. Non, apparemment, il n'y a pas de diamant. Merde. Il n'y a pas de diamant. Au moins, c'est fait. Bonjour, Noyonnais. Toi aussi, comment ça va? Ça va? C'est bien. Bah, tout le monde va bien, c'est cool. Ah, diamant. Oh, bah ça doit être la bagnole qui cramait. Eh ouais, c'était ça. La bonne blague. Oh la vache, 221 mallettes. Et je suis qu'à la première carte sur les deux qu'il y a dans le jeu. Donc, bon app à tous, je file. Ouais, bon app, à tout à l'heure. On se retrouvera tout à l'heure à faire Mumuse tout en regardant Aeroster et FunFan. Bon app. Moi, faut que je pense à faire chauffer mon eau dans une demi-heure. Si je veux déguster de délicieuses pâtes. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé des pâtes, sûrement. Pourquoi il y a une baraque annoncée sur ma carte? C'est quoi le délire? Aïe, oh la Jeep elle a du mal. Ah. Eh bah j'ai bien fait. Y'a personne, si. Oh, une cassette du chacal. Où trouvez-vous ces armes? On croit souvent naïvement qu'elles viennent toutes des stocks de l'Union soviétique depuis l'effondrement. Dès l'aubaine de l'effondrement, c'était en 89, jusqu'en 91 peut-être. Maintenant c'est terminé. Moi je déplace des armes, je profite de la circulation. Il y a un cessez-le-feu au Liberia et les deux côtés se désarment. Tu crois qu'ils vont jeter 2000 tonnes d'armes? Non, ils me les vendent. Et je leur revends quand ils commencent la guerre suivante. Toujours ces armes soviétiques de 1989? Ça représente que la moitié du stock. Le reste vient des anciennes armées françaises, néerlandaises ou belges, quand elles ont quitté leur colonie dans les années 60-70. Certaines armes ont beaucoup servi. Elles ont été vendues, rachetées, puis revendues. Elles sont pas biodégradables. Seuls les morts sont biodégradables. C'est terrible, mais c'est vrai ce qu'il dit. J'adore les cassettes du chacal. C'est terrible, mais extra. La barbarie humaine. Il y a long à philosopher. Alors, Torata, tu me dis, quand tu t'es arrêté tout à l'heure en montant ou en descendant de ta voiture, ça faisait du bruit comme si tu avais eu un accident avec une voiture invisible. Oui, c'est pas faux. Mais en fait, j'ai essayé de réparer niveau moteur une Jeep de luxe. Sur laquelle j'ai joyeusement tiré une dizaine de balles de snipe. Tu vois la voiture là? C'était ma cible à abattre. C'était un VIP, un banquier. Enfin, le cliché est gros. Le mec était en costard cravate, il fallait que je l'abatte. Et on va dire que c'était un diplomate. Et tu vois, la Jeep a pris très fort, très cher. Donc elle est... D'ailleurs, je crois que je vais céder à l'envie de repartir en buggy, ce sera mieux. Mais c'est bien, je suis content, j'ai gagné du diamant. Donc, je veux honorer un autre contrat de Quick en allant à la... d'assassinat. Quand je dis Quick,
pas la chaîne de distribution rapide. Antenne. Tout un symbole dans les Far Cry, les antennes. Oh non, mais j'ai un casse-bonbon. Mais va mourir, toi. Va mourir. Oh là là. Pas de diamant. Ah, on voit sa flamme derrière. Y a rien de rien. Attends, bon, je vais inspecter. Ça m'intrigue, l'endroit m'intrigue. On n'y voit pas grand chose. On n'y voit. Oh, la malaria fait bobo. Ouh, faut qu'il prenne ses médocs. Prends tes médocs. La malaria fait bobo là. Ouf. Voilà. Je vais essayer de prendre que les médocs quand il fait une grande crise comme il vient de la faire. Les deux premiers spasmes, je vais. On va voir. Je vais essayer de jouer dans la durée le fait de bien garder mes médocs. Oh le bel animal. Oh le bel animal. Et il court vite. Oh, oh merde. Je voulais freiner pour éviter de le percuter, mais j'ai loupé mon coup. Oh, trop mignon. Aïe, 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 aïe. Ashi bonanga, ashi nuna, unani nani, awa nuna, tadi dadi duda. Ashi bonanga. Ah merde, je croyais qu'il n'y avait plus personne. Oh là là. Il va me faire suer. On se calme. Ah non, on se calme pas. Je suis mouru comme un caca. Ah tiens, j'ai oublié de remettre ma coiffe moi dans tout ce délire. Alors, c'est vrai qu'un buggy, comme c'est plat au ras du sol, bah pour monter dessus et s'en servir comme base de snipe, c'est pas gagné. Bon, j'en ai eu un en moins. Deux en moins. Du moins j'espère. Tonneau d'explosif, ça va faire boom. Ou pas. Bon, c'était un tonneau d'explosif, non? Non? Ah, si. Doucement. Ah, l'antenne que je convoite est à vue. Non, je les ai tous abattus. Mais non, je les ai pas tous abattus. Il mériterait que je réserve une petite surprise, lui. Surtout qu'il est au niveau de l'antenne qui m'intéresse, alors. Je vais lui réserver une petite surprise. Pourquoi je vois la... Je devrais pas voir la fiche en rouge. C'est pas normal, c'est un bug. Parce que j'ai pas d'objectif en cours. Attends. Hop là! Alors, ils reviennent quand? Ah.
Allez. On y croit. 3, 2, 1, boum. Oh, j'ai merdé, je suis déçu. Ah, je suis déception. Oh merde. Oh, vous êtes chiant. Ils vont m'avoir, non. Je suis dégoûté. Oh, bah alors, on va recommencer à l'explosif. 3, 2, 1, boum. Merde, je sais déjà plus où est-ce que j'avais localisé. Là? Ah non, trop tôt. Du coup, eux, ils bougent. Ah, mais la vue, elle est nulle, là. Ah ouais, tu parles. Mais non, mais c'est ridicule, arrête de courir, toi. Oh, il y en a des choses intéressantes. Ah ouais. Ouais, mais là. Il faudrait une autre. Ça marche pas. Merde, c'est pas ça que je veux faire. Eh, c'est sympa. Ah! Lui aussi il va péter le feu. Ah non, c'est un... Ils sont terribles, hein. Ils sont terribles. Oh, non seulement ils sont terribles, mais ils sont efficaces. Il y en a du monde dans ce coin. C'est pas croyable. Ah, oh, bah alors. C'est pour vrai, l'autre il meurt même pas. Ah non, il mourut. Oh, qui l'aurait cru? Je suis dans une mauvaise. Bon. À quel moment ça doit faire boum? Là? Mais non, c'est après. Mais je m'en veux. Mais non, mais je suis triste. Puis j'ai qu'un seul explosif, tu sais, je suis deg. Ah oh bah non, j'ai fait de la mouise. Je suis dégoûté, j'ai fait de la mouise. Ah oui, tu m'étonnes. Il est immortel. Ah. Oh bah alors, mince. Faut vraiment que je prenne des repères. Voilà, là je les ai eus, je crois, non? Ah non. Putain, c'est fou ça. Au moins, ça permet de faire diversion, c'est déjà ça. Ça permet de faire diversion. Oh, le con. T'as entendu? Quoi? Ah merde, lui, il m'a vu, lui. Qu'est-ce qui se passe? On se fait attaquer? Merde, allons-y alors! Reste à ton poste!
Tu veux te faire planquer? Doucement, Tidal. Mais qui sont ces types? Je crois qu'il y a qu'un animal. Bon, là, j'ai plutôt bien géré, non? C'est horrible, mais là, j'ai été efficace. Ah, il y en a un autre. D'accord. Oh, vache. Merde, la végétation se retourne contre moi, là. Il est où, mec? Ah, il est là. D'accord. Aïe, aïe! Comme tu dis, aïe aïe. Aïe aïe, y a plus. Ils sont cuits, ils sont foutus. Oh, il y a quelque chose d'artistique. Merde. Pourquoi on me tire dessus? Qui c'est qui arrive à m'allumer, là? Je disais, il y avait quelque chose d'artistique de voir l'arbre en flamme. Alors là, j'ai pas compris qui m'a tiré dessus. Ouais, je sais que j'ai une trousse de secours sous la main, c'est cool. C'est très très cool. Qui c'est qui m'a tiré dessus? Bon, bah voilà. Bizarre, il y a comme un moment de flottement. Alors, mission. Avec grand plaisir. Avec grand zizir. Bonne app, Christella, tout à l'heure. Ouais, je vais pas tarder à lancer ma gamelle de flotte à faire chauffer pour les pâtes. Alors. Ça vaudrait presque le coup que je me barre en bus. J'y arriverai plus vite. Oh, mais il va y avoir du monde là. Non. Ah non, il n'y a qu'un monticule de roche. Ok. La voie ferrée. Dès que je croise la voie ferrée, il faut que je m'y engage.
Nickel. Oh, avec un peu de chance, je rejoins les bus sans encombre. Oh, la classe. Tchou-tchou, je suis le nouveau train. Tchou-tchou-tchou-tchou-tchou. Je pourrais presque passer par l'armurerie d'ailleurs. Je vais aller passer par... autant m'offrir la totale. Je vais passer par l'armurerie... Oh merde, il y en a qui gardent le... Il y en a qui gardent le... Merde, voilà les mecs. Voilà, merci. Au moins, avec vous, j'aurai un véhicule neuf. Bon, j'avais dit sans encombre, mais je m'étais trompé. C'était sans compter avec les patrouilles mobiles. Le vieux Nokia, ouais. Ah, c'est mon ancien Jeep qui a explosé, tiens. Je me dis, c'était quoi tout ce rafut. Alors, l'armurerie. Je reviendrai ensuite sur le... Ah, c'est bien, on va faire le plein de munitions, ça va être trop classe. Le gars est pas là. Ouais. Je vais le faire plaisir. Hop, c'est tout bénef. C'est offert par la maison. Est-ce que dans les options, je pourrais pas... Enfin, dans les... Le matos bonus. Voilà, équipement. Bandoulière de fusil de chasse, bof. M'intéresse pas trop. Bah alors, ça descend le truc. Oh la vache, tenue de camouflage, 45 diamants. Mais ça pourrait être très drôle. Déjà, il y en a quelques-uns que j'ai trucidés à la machette, en les approchant furtivement. Ah, les caisses d'armes. Caisses d'armes principales. Ouais, ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Parce que d'avoir de déverrouiller les caisses d'armes, en fait, ça permet de changer de flingue dans des points de sauvegarde qui sont beaucoup plus nombreux que les mutineries. Les armureries. Et pouvoir changer de flingue dans les points de sauvegarde, bah, c'est le confort, quoi. Il faut juste préparer dans l'armurerie le bon flingue dans la malle par avance et vous la retrouvez dans toutes vos planques. Stratégiquement, c'est juste énorme. Là, par exemple, ouais, si je veux retrouver mon lance-flamme, vous devez acheter des caisses spéciales. Mince, la principale, elle est où? C'est celle-là, je crois. Voilà, pour le fusil de snipe, par exemple. Par exemple, voilà. Je vais prendre le fusil classique. Je vais le mettre, hop, dans la malle. Et là, hop, je reprends un fusil de snipe. D'ailleurs, je renouvelle mon matos. Ouais, je vais prendre un lance-flamme neuf. Comme ça, je serai complètement refait. Et explosif aussi, il me faut. Avec grenade et cocktail molotov. Et là, je suis prêt à repartir en guerre. Je suis prêt à repartir en guerre. Attention le rocher. Allez, go. Alors, les bus.
Hop là. Je suis arrivé à destination. Alors, où est-ce que je veux me rendre? Mon contrat... Ah oui, c'est vrai que je peux aller dans la capitale. Oui, je crois que mon contrat est là-bas. Vas-y voir que je regarde la grande carte. Ouais, il est au niveau du lac. Ma cible est au lac. Ça va être intéressant. Ouais, j'accepte volontiers. Sauvegarder et continuer. Ouais, volontiers. Volontiers. Oh, un petit buggy est offert. C'est gentil. Mmh. Ah, la cible n'est pas trop loin. Faut juste que je parvienne à me rendre à l'étang. Alors, c'est la route là. C'est la route là. Où il y a un beau soleil. La fuite à Dieu, mais la fuite à... Bon, j'abats ma cible et je fais une pause de 2 minutes, 3 minutes, vous l'aurez compris, pour préparer ma couscoussière et faire bouillir l'eau, que je puisse déguster de délicieuses pâtes. Oh, oh ah. La bonne blague, c'était drôle. C'était vraiment drôle. J'ai adoré. Ah merde. Ah pas mal, je savais pas que je pouvais leur passer par dessous et renverser leur buggy. Boum. Un peu idiot ce qu'il vient de me faire. Ah. Hop là. Oh. Bah alors. Ça devient dangereux ici. Oh super, ce soleil. Ça devient dangereux. Oh mon dieu. Mmh. Ça y est, c'est tout cuit. Oh, j'ai perdu mon buggy. J'ai perdu mon buggy. Ouais. Avec un peu de chance, je vais croiser des nigauds en route. Je pourrais peut-être revendiquer leur véhicule, non? Bah non, c'était eux, j'ai envie de dire. Mais bon, bref. Oh, d'être à pied dans la cambrousse, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais bon, c'est beau, hein, mais... Ouais, il y a une grande propriété, là. C'est pour ça que c'est barricadé. Faudrait que je me la fasse dans pas longtemps. Ouais, on voit l'installation. Attends, ça correspond à quoi, d'ailleurs? Ouais, ouais. Moi, il faut que je me barre par là-bas. Faut que je prenne le chemin, là, moi. Ah, quelle déception, je n'ai plus mon véhicule. Allez, cours, Forest, cours. Surtout que la nuit va commencer à tomber, donc on n'y verra plus rien. Ça va être la caca ensuite. Oh, il y a même un panneau, la vache. Oula. Mmh.
Dans la jungle. Je pense à... au répertoire de Indochine. Les aventures de Bob Moran. Égaré dans la jungle birmane, les aventures de Bob Moran. Il y a un peu de ça. Où je vais jouer du snipe, moi. Il n'y a pas de diamant. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots d'Ondaine. En passant par la Lorraine. Oh, avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots d'Ondaine. En passant par la Lorraine. Oh, avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots d'Ondaine. En passant par la Lorraine. Oh, oh, avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots d'Ondaine. En passant par la Lorraine. Oh, oh, avec mes sabots. Étalés comme des lapins. Mais je les abats. J'arrive à les abattre à cette distance. Merde, il y a du monde qui vient me voir. Oh, je suis là. Cadeau. Non, c'était sûr. C'était sûr que le souffle de l'explosion allait m'exploser. Mais c'était trop la classe. Mais c'est presque même dommage que les mines soient que télécommandées, parce que des vraies mines, franchement, ce serait énorme. Attendez, c'est intéressant comme scénario, j'ai très envie de... Ah, vu l'heure, il faut que je fasse mon miam. Parce que sinon je vais manger à pas d'heure et je vais vous rejoindre trop tard pour qu'on fasse mes muses ensemble vers 15h. Non, le gars, quand il m'a repéré, il était venu. Il était venu là. Faut que je me dise que l'explosif est là. Juste après la grande plante. Bon, en espérant que le soleil ne se couche pas trop vite. Ouais, il y a du monde à sniper. Bon, je vais vous laisser sur cette belle vue pendant 2 minutes, excusez-moi. Mais voilà, je vais préparer mon miam, Pascal. Le temps que l'eau des pâtes chauffe, je vais verser les pâtes à 14h, quoi, quand j'aurai rendu l'antenne. Thank you.
voilà, excusez-moi de la pause. Oh, bah non. J'ai ma robe de chambre, en fait, qui me sert de couverture sur mon siège, qui était en train de se barrer. À ma grande surprise. Alors, on va voir. Du coup, l'avenir sombre. Le mercenaire que j'incarne est en train d'admirer son flingue. Et il a pas tort. Il a pas tort. Allez, on y retourne. Ils sont où les loustiques? Il est mort. Ah, il y en a devant. Et 2-3. Merde, les v'là. Oh merde! Oh! Oh! Waouh! J'ai failli me manger un véhicule dans la tronche! Il s'est arrêté à 10 cm devant moi. Par contre, ma plateforme de tir, elle est morte. Elle est en train de flamber. Waouh! Ça, c'était de la scène d'action. Wouh! Je m'attendais pas à me prendre une Jeep dans la tronche, là. Ça, wouh! Ça m'a mis de l'adrénaline, là. C'est... Bon, si ça veut bien s'éteindre, que je puisse remonter sur le... C'est bien, je pourrais tirer d'encore plus haut. Avec la Jeep cramée. Voilà, magnifique. Je suis le sniper le plus haut perché du monde. Vous pouvez pas faire mieux que moi, c'est impossible. Ah, il y a du monde là-bas, je crois. Non? Ah, je sais pas s'il est mort, mais... Non, il est pas mort. Est-ce que je l'ai eu? Avec un peu de chance, je l'ai eu. Plus âme qui vive. Alors ma cible est dans l'un des bâtiments, forcément, au bord de l'eau. Mais je vais avoir le culot de débarquer en bateau. Je sais pas. Je vais prendre ma machette et puis je vais y aller en... Aïe, merde, je vais me voler. Ouais, jadis, il y avait des diamants ici, je m'en souviens. Oula, gare à la descente. Oulala, oh le toboggan. Aïe. Alors, on va y aller maison par maison. Pas de diamants ? Pas de diamant. Bon, la baraque là, il n'y a personne, elle est immergée. Ouais. Ouais, non, c'est foutu. Ça, c'est un ancien embarcadère qui a mal terminé. Qui a été saboté. Oh merde, il y avait un gars, j'avais même pas vu. Ah merde. Ah,
Il était où le gars? J'y vois plus rien, moi. Ah, il était là. Bah, il est passé où? Bah. Ah. Ah, bah, il est bon. La bonne blague. Oh, cool. Cool, cool, cool. Ouais, forcément. Je pense pas que j'aurai un autre loustique. Comment faire des économies de munitions? Battez-vous au corps à corps au couteau. Violence! Violence, violence. Y a pas une bouteille d'eau là, du coup que je récupère mon petit carré de vie perdu. Parce qu'il m'a fait bobo avec quelques balles là quand même. Non, bah visiblement je peux aller me faire voir. Pas de diamant, vérifier à deux fois. Non, c'est la déception. Je vais prendre le joli petit bateau. Je vais vérifier à deux fois qu'il n'y ait personne sur la rive opposée. Ah, j'ai du mal à voir. Hein. C'est pas évident de... Ah, il y a du grabuge là-bas. Je vois un mec qui se déplace. Ouais, mais il y a trop... Le paysage est beaucoup trop fourni en tout ce que vous voulez. Donc je l'ai dans le baba. Malheureusement. Attends, je vais projeter le navire vers la rive opposée. Ah, je te vois, toi. Toi, t'es mort. Ah, il y a un gars qui bouge. Deux gars. Merde. Je vais me faire repérer, mais... Tonneau d'explosifs ou pas? Non. Non, non, non. Merde! Mais non, mais c'est pas la bonne touche. Ça fait un joli splatch. Coucou, je suis là. Ah oui, ils prennent un véhicule, du coup, tu vois. Je crois qu'ils essayent de me rejoindre. Eh, ils vont pas se jeter à l'eau quand même. Ah non, c'est un bateau. Merde, j'avais pas vu. Alors. Va mourir. Ah, la fumée noire va m'enquiquiner. J'ai cru que c'était une Jeep qui allait se vautrer du ponton, en fait. C'est pour ça que j'étais intrigué. Voilà. Il n'y a plus de fumée noire. Mais... Pourquoi je lance une grenade quand je me retire du truc? C'est débile. J'ai un conflit de touche là ou quoi? Oh, carlingue de navire de 1. Mais non, mais j'ai un conflit de touche. Je suis là, si vous l'aviez pas remarqué.
Coucou. Oh, j'ai plus droit au comité d'accueil. Allez, je vais me jeter à la flotte. Alors, attends, il y a des échelles normalement dans ce genre de ponton, non? Ah bah tiens, là-bas il y a un truc. L'eau est dégueulasse. Nous ne saurons jamais ce qu'il y a au fond de l'étang. Et je vais vous faire un aveu, je crois qu'il vaut mieux pas savoir. Bah oui. C'est horrible. Ah, j'ai failli remettre le pied dans le... Bon. Alors, où est ma cible? Qu'on n'en parle plus. Ah, il y a un mec là-bas. Coucou, j'ai un lance-flamme. Merde, on dirait que la sauce passera très bien. Très bien. Attends, j'ai une petite piqûre pour... Hop, voilà, là je suis mieux. Ah. Coucou. Il est où? Mais qui sont ces? Je crois qu'il y a qu'un ennemi. Merci. Ah mince. On peut rien faire d'ici. Ah, je le vois. Bouge pas. Je pense pas qu'il soit mort. À couvert. On tient. Ça venait de là-bas. Ah, je l'ai eu. J'ai l'ai eu. Mmh, on continue. Ah, ou pas. Non, te recharge pas. D'ailleurs, il y a une belle boîte de munitions là qui me plaît. Trop gentil, j'adore. Merde, qui c'est qui me tient dessus? Un tueur sanguinaire en liberté. Allez, finissons-en. Mais je le vois pas. Il est où le mec? Attends, je vais aller dans la baraque. Mais il est où, mec? Mais il est où? Ah oui, il est là. Ah bah, c'était ma cible. Ah, il y a lui. Lui qui dansait, je sais pas quoi. Là. Ah, ça cuit un peu trop. Ah! Je vais être cerné par les flammes, moi, si ça continue. Une fois de plus, c'est du tout cuit. J'ai gagné. Violence. Ah oui. Ah, il avait un petit calibre. Il avait un 9 mm sur lui. Peut-être même un 8 mm. Ou encore plus petit, le 7 mm. Bon, celui qui propose 1 mm. Je valide pas. Vache, ils ont ces trucs. 11, oui, 11 mètres. Oui, bien sûr. Bien sûr, fun fan. Un flingue de 11 mètres. C'est une canonnière, là. C'est un... Oh, merde. Oh, merde, il m'a eu. Ah. Il y avait encore du peuple. Bah alors. C'est un scandale. Ah bah attends, s'il y a du monde. Je peux les accueillir là. Hein?
Merde, les flammes me font bobo. C'est chiant. Bah, il est où le gars qui m'a battu? Il sortait d'où, Mickey? Là, franchement, je comprends plus. Bon, je sais qu'il y a encore du monde, mais... Bizarre. Là, je sais pas. Non, il y a personne. Il y a du monde à l'étage. Non, non. Là, j'ai une ancienne cible. Avant, j'avais une cible à battre. Je crois que c'était le frangin du chef de la police. Fallait l'intimider, si vous vous souvenez. Pour ceux qui ont suivi mes aventures. Et vraiment étrange. Bon. Faut dire aussi, la zone est vaste. Hein. La zone est vaste. Oh, il serait bien que je trouve une planque où je fasse passer la nuit. Parce que l'idée d'un combat de nuit, ça va pas le faire. J'ai essayé de me barrer de là. Ouais, le quai principal est par là-bas, ouais. Je pourrais me barrer avec une embarcation, mais... Je vais me faire repérer à 500 mètres à la ronde. Y'a personne? Non, je les ai tous abattus. Je suis étonné. Vraiment. Bon. J'ai fait un épouvantable carnage. Alors, la route à prendre. La route à prendre. Ouais. Je pourrais me barrer par là-bas. D'après ma carte. Où est la planque la plus proche? Et puis si je peux mettre la main sur un véhicule, le confort routier serait apprécié. Il n'y a pas de diamant. Il n'y a pas de diamant. Ah ouais, je vais essayer de rejoindre la capitale pour déverrouiller une mission d'un clan. Mais ça, je ferai ça, la mission, le temps de la débrouiller, je crois que j'enverrai l'antenne pour Harry Roster. Mais... Oula, attention, faut pas que je bousille ma coiffe. J'ai touché accidentellement une plume. La mission, je sais pas si j'aurai le temps de l'honorer avant 14h, j'y crois pas trop. J'aurais sûrement le contact d'un autre mercenaire qui va me dire, écoute, je peux t'aider. Mmh. Mmh. Oh la vache. La nuit noire ne m'aide pas du tout. On n'y voit plus rien. Ah ouais, j'ai le diamant sur le toit. Bon bah, je vais monter à l'échelle. D'accord. Cool. C'est pas perdu. Pourquoi il y a de la lumière dans le... Comment j'y entre? Hein?
Ouais, non, c'est abandonné. Ah, un buggy. Magnifique. Oh, le bol. Ça, ça fait plaisir. Ah, je vais avoir un point de contrôle chaud avant d'atteindre la capitale. Aïe. Attention. C'est que je vais avoir du monde. Attention! Oui, il y a du monde. Est-ce qu'ils vont me poursuivre jusqu'à la capitale alors qu'il y a... Enfin, la capitale, la ville centrale alors qu'il y a un cessez-le-feu. C'est pas dit qu'ils me poursuivent. Là, ils ont plus le droit de me tirer dessus. Oh la vache, la nuit noire. La nuit noire. Bon, bah, le plus offrant, qui c'est qui me propose une mission? Oh, je peux même pas faire mon foufou et sauter par-dessus, là. Je peux pas me barrer avec. Attends. Mais attends. Ah, pourquoi j'ai pas le détail de la... Ah. On avance plus. Pas d'armes, allez, bras écartés. On va voir la mission qu'ils vont me confier. Je suis encore jamais allé chez eux. Je suis encore jamais allé chez eux. Hop. J'y vois un vrai problème. Les gens pourraient facilement croire que j'ai ordonné cette... Mais non, t'as pas ordonné cette attaque. Mais non. Regardez leur équipement, regardez ce qu'ils ont. Première qualité. Si les gens croient que j'ai fait venir ces forces spéciales, ils vont dire, Gakumba s'est enrichi, il a plein d'argent caché dans des comptes secrets. Voici l'UFLM, je suis le docteur Gakumba. Comment as-tu passé la frontière? Personne ne peut rentrer en ce moment. Dites-lui. On a vu des forces spéciales dans ce coin, ce sont des mercenaires, mais armés jusqu'aux dents. Ils ont été payés pour être parachutés et enlever quelqu'un. Pas besoin de savoir qui. Si, il peut savoir. Ils sont là pour un chef de l'APR, mais s'ils prennent notre ennemi, on n'a plus personne à combattre. Venez-en au fait. Les forces spéciales ont un bon campement, dans le désert, à 2 km au sud-est. Ah. Gakumba veut pas qu'on pense qu'il a demandé une opération secrète. Ça donnerait une mauvaise image. Ça suffit, merci. On vous demande de trouver ces hommes et de détruire leurs véhicules. L'équipement dans leurs véhicules, radio, réserve d'eau, munitions, tout ce qu'ils ont avec eux. C'est notre combat. Rendre l'Afrique aux Africains. Pas besoin d'intervention extérieure. Votre mission est d'arrêter ces armes. Ils attendent dans le désert au sud. Trouve le peloton et détruis leur équipement. Ce sera bien fait pour leur gueule. Voilà le paiement. Oublie pas, opération top secret. Les types de l'UFLL te connaissent pas. Personne t'aidera là-bas. Sympa. Ouais, oh. Je me garderai un peu plus loin. Je vais avoir un copain qui va me contacter là, forcément. Non? Mais oui, forcément. Il va me dire qu'il y a mieux. Green Ring, c'est Clyde. Je suis à 1 mile à l'est de la ville, dans une planque près de l'étang. Retrouve-moi là-bas. Ah.
Alors, il est... Ah ouais! Il est pas à la porte d'à côté. Et à ta place, je reviendrai pas, mon pote. Trop aimable. C'est surtout que j'aimerais faire passer la nuit, parce qu'on n'y voit rien. Ah, il y a les réseaux des bus. Peut être sympa. Ouais. Il faudrait que j'aille dans une planque provoquer le passage de la nuit dans un plumard, mais faut-il encore y accéder? Faut-il encore y accéder? Y a pas de lit dans les trucs à bus, je crois pas. Hein. Je crois pas. Alors, petit buggy ou pas? J'ai ah bah Jeep, ça m'ira très bien. Je prends. Alors, qu'est-ce qu'il propose le petit pied? Oh merde! Hey! Oh le con! Moi aussi je suis prêt. Ouf! Ah, il y en a un autre. D'où qui vient? C'est horrible la nuit noire, on voit rien. Ah, il est là. Bon, visiblement j'ai gagné. Mercenaire est par là-haut. Il y a de la route. Il y a de la route. J'essaie d'y aller à toute berzingue. Si on croise pas de patrouille mobile, on a du bol. Quel bon goût! Attendre dans une armurerie. Merveilleux. Ouais, attends voir. Si je peux déjà m'acheter de l'équipement, ce serait cool. Hop là, ça c'est fait. Tant qu'à faire. Je vais me faire plaisir! Alors, tac, tac, tac. Équipement. C'est l'équipement qui m'intéresse. Caisse d'armes spéciale. Ouais, c'est cool. Hein. Tant qu'à faire. Allez, hop. Bingo. Je refais le plein. Nickel. Ah, bon. Oh. Ouais, la caisse spéciale. Ouais, le lance-flamme, je le range là-dedans. Hop. Bon, ben voilà, lance-flamme. Ah, l'hypodermique. Que je rigole un peu, c'est vrai. Que je rigole un peu.
Ça va être bien ça. Ça changera. Alors, il est où le copain? Ah, il est un peu au-dessus. Ok. C'est là qu'il est le copain, au milieu des poupoules. Alors, t'as toujours la tremblotte? Hey, quoi de neuf? Qu'est-ce que tu sais? Dis-moi. J'ai entendu dire que ces forces spéciales arrivaient, c'est vrai? J'ai un plan. Tu vois la villa là-bas? Il y a un petit con là-dedans. Il travaille avec les forces spéciales. Il leur envoie des coordonnées par radio, en ondes courtes. Je me disais que tu pourrais aller le voir, pour le convaincre de donner de mauvaises directions à cette bande de clowns. Effectivement, ça peut être très drôle. Mais j'aimerais... Alors, j'ai du mal à maîtriser la montre. Avec un peu de chance, je vais me réveiller à l'aube. Grand brouillard. Mais bon, le temps de faire le chemin. Pas mal. Ah, j'aurais peut-être le temps de faire la première partie de la mission. Sympa. Envoie-les tout droit vers le bidonville. Eh, hey, t'es censé les attaquer dans le désert, n'est-ce pas? Oublie ça, y a pas de couverture là-bas. Tu ferais mieux de les attaquer en combat rapproché. En plus, je serai là pour t'aider, avec quelques agités de la PR. D'accord. Ok. Tu sais pourquoi les soldats sont là, non? Ces salopards ont été engagés par une ONG. Ils doivent neutraliser un mec qui pique des fournitures médicales. Et ce gars, c'est moi. Et figure-toi que j'ai vendu tout ça à la PR. Et maintenant, ils vont m'aider à me débarrasser de ces types, pour que je puisse continuer à voler des armes et à leur vendre au double du prix. Business. Bon, quand la PR ne se rend pas compte que c'est moi qui vole leur matos et qui leur revend. S'ils font le rapprochement, je risque d'avoir besoin de ton aide. Et vite. Ouais, bah on va se couvrir. On va se couvrir. Trouve le mec à la villa. Force-le à envoyer les soldats vers le bidonville. Oh ! Lance-grenade. Bon, je l'ai pas acheté, donc il va être défaillant, mais ça va être drôle. Oh là là ! Oh, le temps de merde ! Wouh ! Terminator. Oh, on va rigoler un petit peu. Et ça, c'est l'hypodermique. Ok. Alors, ah merde, il y a une mallette toute proche. Et attendez. Bah. Ah. Je me disais, il se paye de ma tête. Ah, par là-bas. D'accord, effectivement. En pleine jungle. Génial. Oh, le déluge. Oh, on n'y voit plus rien. On n'y voit que puic. Alors, d'après lui, il faut que j'aille. Ah, la propriété privée. Malin. Non, c'est pas la bonne idée, merde. Mais avec ce temps de chiottes, comment voulez-vous que je devine que c'était pas la route? Ah, Midoum. Waouh, je me souvenais pas qu'il y avait ça dans Far Cry 2. Ça fait flipper. Ah, j'ai l'impression que le ciel bleu revient petit à petit. Hasta la vista, baby. Oh, trop bien, le lance-grenade. Je vais les faire sauter de joie. Même sous la pluie, rien à péter. Ah, je m'approche du... Ah bah tiens. Ah bah ça marche pas.
Ils m'ont pas vu. Ah si. C'est drôle. Bidu. Ouais, c'est défaillant, c'est le problème. Par contre, quand j'aurai acheté l'arme, que je pourrais l'avoir en bonne qualité, je vais me taper un délire. Tu m'étonnes. Oh, dommage. Bon, c'est pas la bonne arme, j'avoue. Il faut que je fasse usage de l'hypodermique. Comme ça, ils feront deux dos. Personne va s'en apercevoir. Regarde-moi ça. Merde. Mais non, mais... Oui, moi aussi, j'ai pas signé pour ça non plus. C'est le bordel. Je vais quand même pas tirer l'explosif, si. Oh, le déluge. Ah. Il est pas loin. Je peux presque sentir. Moi, monsieur, je me lave avec un gel douche à la noix de coco. Donc, je sais pas si vous pouvez me sentir. Ah. J'étais si jeune, j'étais si beau. Yes, sentait bon la noix des cocos. Ah, trop drôle cette... Ah, ben c'est là où il y avait les cascades. Ah, sous la pluie, ça n'a pas le même charme. C'était le chant du conseiller majordome, là, dans Tropico 5. Qu'est-ce qu'il était drôle. Ah non, mais c'était génial. Mais c'est bien que t'aies mis sur ta chaîne YouTube le chant... Enfin, le chant. Les ralentis Tropico 5. Je suis sûr que dans le futur, par nostalgie, je rematerai sur ta chaîne. Tel que je me connais, j'y resterai pas. Alors, je sais qu'il reste un mec, mais je sais pas où il est. Ah. Lui, il va faire dodo. Il va faire dodo, le monsieur. Ah, la malaria fait bobo. Ouais, le son n'existe plus, ouais. Il a été effacé. Mais le souvenir reste. Oh, il était ah si non. Mince. Oh, il était si beau. Il sentait bon la noix de coco. Je sentais bon la noix de coco. Oh là là. Je suis troublé parce que... Je croyais qu'on l'avait retiré, tu vois. Ah ouais, il a envie, effectivement. Finalement, il y a des restes. Comment est-ce possible? N'en parle pas. Attends. C'est quoi sur la table? Ah, c'est un Tokiwoki. J'étais en train de me dire, mais merde, mais c'est quoi le truc? Il y a pas de diamant. La vache, le mec, il est loin quand même. Je pourrais pas honorer la mission. Je pourrais pas honorer la mission aujourd'hui, c'est pas possible, il est trop loin le gars. Il est beaucoup trop loin. Best son ever avec des zombies. Alors. La zone... ouais, c'est par là.
Effectivement. Alors, il y a un poste de garde qu'il faut que je trucide. Les gars vont me poser problème normalement. Ah, la pluie semble s'arrêter. Ouais, le beau temps revient petit à petit. Bon, on va faire mumuse. On va faire mumuse, forcément, sinon c'est pas drôle. Et là, il saute de joie. Oh merde, il y a un autre véhicule. Merde, je me suis explosé avec. Mais qui est con? Mais qui est con? Magnifique. C'est très efficace la méthode Terminator. Donc ils étaient venus par là, les moustiques. Non? Oh. Bon là ils ont pas entendu, je sais pas pourquoi. Bizarre. Oui, bah du coup ça flambe. C'est... On est d'accord, c'est le poste de contrôle. Oui, c'est pas la propriété privée. Elle est plus loin, la propriété privée. Non, il n'y a plus de moustiques qui m'attendent. Ça m'étonne. Oh là là, la lumière qui revient subitement. Oh. Ah bah. Non mais, il se moque de moi. Mais il est débile, le mec. Incroyable. Débile au possible, le gars. Là, là, je suis un peu déçu que le... J'allais dire Final Fantasy. Que Far Cry... l'intelligence artificielle, le mec soit resté stoïque. Ah, la propriété privée. Oh mon Dieu, si c'est ce à quoi je pense, ça va être balèze. Oh, des souvenirs qui me reviennent en mémoire. C'était pas du tout facile, la propriété privée. Ouais. Mais non, messieurs, calmez-vous. Ah, j'ai un foutu snipe qui va me pourrir la vie. Merde, là c'est la voiture qui a pris. Ah, snipe qui va me pourrir la vie. Ah, je le vois. Je sais où il est. Je l'ai eu. Moi aussi, il était dans ma ligne de mire. Et là, j'arrive façon Terminator. Il est quelque part par ici. Ah, ça court. Merde. Merde. Oh, la tranche de la porte fait que le projectile, je me le suis mangé dans la tronche. Message de FunFan1992. Bastos dit tu refais FF13 samedi matin ou dimanche matin. Je regarderai la rediff car la disparition des persos m'intrigue beaucoup et me hype. Ouais. Dimanche matin que je fais du Final Fantasy. Dimanche matin.
Ça va sûrement foutre le feu à la maison. Oui, oui, je sais que c'est ton rire qui te gêne dans l'extrait sonore. Bon, si on l'entend pas trop souvent, ça passe. Mais c'est bien parce que plus on diffuse sur Twitch, plus on cumule des bons moments, plus on va cumuler des sons divers et variés, donc on va pouvoir jongler. On va étoffer notre offre, on va dire. Bon, bah, je suis terriblement efficace, visiblement. Mmh. Message de Funfan 1992. Je coupe ou le son de du stream, je vais avec un héros. Ouais. Je verrai la notif quand il envoie son signal, donc je ferai la bascule à ce moment-là. Ouais. A tout à l'heure, bon jeu. Bon jeu à vous. Non mais il est débile lui. On va les griller. Je leur tiens ici. Vas-y toi. Avec plaisir. Je sais pas où il est. Ah, il y a un mec là-bas. Ah merde, il m'a battu dans le dos. Dommage. C'était bien tenté. Il faudrait presque que j'essaie de les avoir par le feu, un incendie. Je pense, hein. Je pense. Mais je suis pas assez proche. Il faudrait... Ah, si seulement je pouvais grimper. Ah! Oh, intéressant. Parce que l'idée d'être en amont est vachement pratique. Il me reste combien de... Ouais. Mmh. Ah, j'ai vu du mouvement. Ouais, mais il y a un véhicule là-bas, je peux le faire sauter. Qu'est-ce qui se passe? Ils l'ont perdu. L'autre, il détale comme un lapin. J'ai adoré le saut du mec. Comment qu'il a sauté? Brrrr. Ah. Quoi? Ah oui. Quoi? Non, c'est abusé. Mais non, mais c'est nul. Non, mais là, j'aurais dû l'avoir. Là, je suis pas d'accord. Ouais, merci. Ah bah, ça y est, il y a Roster qui est... Je la referai une autre fois. Allez, on va aller voir Aeroster. Parce que j'ai faim, moi. Merci à vous d'avoir regardé. Je crie famine. Ouais, merci à toutes et toutes d'avoir été là. Merci Petit Seb Live et Devil Olive de m'avoir fait un relais de chaîne. Vous êtes adorables, les copains. Merci. Ouais, famine, miam. Alors, faut que je joue mon aviateur. Vous allez avoir le plaisir de voir ma tronche en gros plan avec ma coiffe ridicule. Oula, j'ai eu un bug de l'affichage du chat. C'était trop bizarre. Merci à vous d'avoir été là. C'était super sympa. On se retrouve samedi matin. Samedi matin, je diffuserai du Dying Light. Dying Light le samedi matin. Normalement, à moins que j'ai une envie différente, hein, on n'est pas à l'abri que j'essaye de faire changer de jeu. Alors attendez. Ouais, mon chat au niveau technique. Red à Aeroster. Voilà. Moi, en privé, voilà, je m'adresse à mes copains, pardon, ceux qui regardent le direct ou la rediffusion. Les copains, je vous retrouve, moi, dans une grosse heure pour jouer à Wormsamageddon entre nous. Le temps que je mange et que je fasse mon appel téléphonique.
Voilà, on va filer chez Aero. Bisous, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé. Bisous, bisous. A plus. Unis et merci le singe pour ton raid.